So today I am a grandmother of one grandson and a mother of four children. And I came back to my roots, my culture, maybe 30 years ago now, 35 years ago. And coming back to my culture, my elders trained me and initiated me to carry their words into the world. And I took those vows with lots of love and care and discipline. And today it has brought me to be an elder and a sister and a spiritual mother to many people of all races. And all I do is pass on teachings and tradition to people of all races, colors, vocations. Eh bien, j'ai connu l'enseignement, la tradition essénienne, d'une manière tout à fait naturelle et familiale, je dirais, puisque cet enseignement, je l'ai rencontré à travers ma grand-mère quand je venais en vacances chez elle. Alors j'ai grandi, à chaque été, j'allais chez elle, et puis, au fur et à mesure, j'ai été adolescent, je me suis posé beaucoup de questions, et ma grand-mère et d'autres Esséniens qui vivaient dans cette communauté avec elle m'ont appris beaucoup. Et c'est vers l'âge de 18 ans, 18-19 ans, où je me suis engagé dans cette tradition et j'ai voulu grandir à travers ces enseignements. J'ai suivi des initiations, des formations, qui m'a conduit jusqu'ici. Et je dirais que mon but et ma mission, c'est de pouvoir montrer à l'humanité que entre la matière et l'esprit, il n'y a pas une si grande différence et que ce sont deux mondes qui doivent vivre ensemble. En partant de votre vécu et avec vos propres mots, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une tradition? So tradition to me is teachings that is passed down from our ancestors to our wisdom keepers, to our grandparents, and then we take those teachings and find our identity with that, whether it's a spiritual identity or a cultural identity. And with those teachings, we apply them in our lives the best way we can. And we do that with love and respect and honor towards ancestors, towards nature, the elements. So tradition to me, I was taught that tradition means it's an ancient meaning of passing on teachings, passing on words and stories and ceremony and ritual. And so we're a traditionalist, because tradition means passing on teachings. So for me, tradition is it's a set of methods and ceremonies and rituals that keep community together, and the spirituality that is open to all cultures, like a spirituality of fraternity, of brotherhood. So that's tradition for me, is carrying on the roots, the love, the respect, and the teachings of our ancestors passed down to each generation. Bien sûr. Bien sûr, la tradition, c'est la transmission, c'est la mémoire de nos ancêtres. Les ancêtres qu'on a pu prendre dans nos bras, mais les ancêtres aussi qu'on n'a pas connus, ou qu'on a connus à travers notre grand-mère, notre grand-père. C'est aussi le futur, c'est aussi justement cette faculté de pouvoir se projeter dans le futur et d'avoir conscience que
nos actions aujourd'hui peuvent avoir un impact pour les générations futures et que nous laissons tous une trace et qu'il y a vraiment une mémoire dans la nature. Et je dirais également que cette transmission, elle ne se fait pas que d'humain à humain. Cette transmission, elle se fait aussi à travers toutes les créatures de la terre. La nature nous transmet beaucoup de choses et elle a elle aussi une mémoire. Nous transmettons beaucoup de choses aussi à la nature et elle peut garder nos traces, nos actions en mémoire. Il y a aussi une autre transmission d'âme à âme. Et ce qui est fort, je trouve, c'est que dans la tradition, il y a donc toutes ces transmissions à la fois physiques, naturelles, matérielles, mais aussi subtiles, qui pour nous, les Esséniens, nous pouvons appeler le monde de l'eau, qui est un monde du rêve. Il y a un monde spirituel et ensuite même il y a comme un monde divin. Et toute cette mémoire, toute cette transmission, elle passe de ces états d'âme et elle traverse toutes les créatures de l'existence. À une époque où la mondialisation est devenue inévitable, pourquoi, selon vous, est-il plus que temps aujourd'hui de protéger les traditions? Very good question. Okay. The way the world is so worldly, with technology and the fast life, media, entertainment, and we can lose sight of our center of spirituality, whether it's the native world or Buddhist people or the other side of the world, we can all lose sight of tradition and our spiritual teachings. So for me, this is why we need role models in our culture. Role models that took the discipline to walk a certain sacred manner in life so they can carry the sagesse of our ancestors and our wisdom people. And ritual and ceremony stories remind us of these teachings. And we have to build and keep community and have a land to practice. And it's all about being creative. And also to keep our traditions from being drowned in this busy worldly life is to create a sacred place where people can come and sing, drum, learn, and just carry all that good knowledge in our hearts. Because Creator, He placed all knowledge in our soul. Everything is written there. But sometimes we need to be reminded through teachings and ceremony and practice of disciplined ways of living healthy, happy, loving in the world. We need this. So it's important to carry forth in a way that brings good medicine to the earth and to all human beings. You know, we have to practice and keep things alive. So I hope that answers the question in a sense. Le monde technologique, le monde moderne, il est ce qu'il est et on ne pourra pas le changer. Il faut réussir à s'adapter comme la nature l'a toujours fait. La nature est millénaire et nous devons être à l'image de la nature. Et nous devons réussir à nous adapter dans ce monde.
moderne qui tue notre âme. Je dirais qu'il atrophie notre âme. Il ne peut pas véritablement la tuer, mais il va l'endormir. Parce que pour nous les Esséniens, dans notre tradition, dans la vision du monde, de notre tradition, il y a vraiment ces quatre mondes. Le monde matériel, le monde subtil, le monde spirituel et le monde divin. Et c'est comme si ce monde moderne, ce monde technologique, nous disait, il n'y a que le monde de la matière. Le monde subtil, le monde du rêve, les mondes des esprits et le monde divin ne sont pas importants, ils n'existent pas. Mais si nous voulons réellement être qui on est, c'est-à-dire une âme, nous devons pouvoir être capables de respirer dans tous ces mondes. Et le monde physique en fait partie, il n'a pas à être exclu ou à être mis de côté, mais ce n'est pas la totalité de la vie. Et c'est ce que le monde moderne nous fait croire aujourd'hui. Alors la tradition nous permet justement de nous souvenir. De nous souvenir qu'il n'y a pas que ce monde. Il y en a d'autres qui sont tout aussi importants et peut-être même plus importants. Dans la tradition autochtone et dans la tradition essénienne, pourriez-vous nous parler du principe de la grande mère, la mère terre? Elle, she is really a mother, and she represents the great medicine wheel of life, and she represents generosity and abundance. She's our first mama for all humans, and our first papa is the Ciel, sky, creator. So papa, mama, that makes all of us spiritual brothers and sisters. We're all a brotherhood, a family. So a Mother Earth represents to me family, the family of the human race. And being also that she represents life, she's the giver of all that we need to be good human beings. We have everything we need, and it was given freely. She's so generous, and she's so abundant, and so beautiful. And being that she is life too, we are life. Like, we are alive because nature is alive, and Mother Earth is alive, the elements are alive. Because everything lives, we live. So she's a magnificent being. And we're to make friends with life. Like, people today, they muscle everybody around with their emotions, and they don't realize that life is their mother. Life is their friend. To make friends with life again, make friends with the earth. And make friends with their own first mama. The earth, being mama, help me to love other human beings. Because I lived a lot of racism, growing up. And I started to be racist myself, So I learned to heal that through the teachings of grandfather and the elders. And they taught me through the teachings of the earth, the mother. She taught me a lot about how to mother my own children, how to be a spiritual mother to other people. The earth taught me la douceur, la gentillesse à travers les animaux, les plantes, les fleurs, l'abondance aussi. She showed me abundance in everything, and for me, how to learn to share and to give, unconditionally. And we have to live that generosity and abundance in our heart and mind to be able to help others.
pass that on to the young ones, you know? It's a magnificent work. It's a beautiful. Quoi dire de plus? Elle est celle qui nous construit. Elle est celle qui nous fait grandir. C'est comme si elle nous disait, écoute les lois du Père. Je vais t'apprendre à vivre correctement pour respecter ces lois, mais je vais t'apprendre à vivre avec les lois du Père dans une vie simple, naturelle, avec justement la fraternité, le respect et toutes les vertus. Oui. Pourriez-vous nous partager un enseignement que la mère vous a apporté dans votre vie? Pour celui qui arrive à se poser, qui arrive à regarder, à entendre au-delà justement des apparences, la mère est omniprésente. Et oui, elle nous donne plein de leçons. Et souvent, elle est peut-être même plus dure que le père. Elle ne laisse rien passer. Et elle nous enseigne tout le temps, tout le temps. Si j'avais un moment avec elle qui m'a profondément touché, je dirais que ce qu'elle m'a appris, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir confiance en elle. C'est d'avoir confiance en l'autre. Malgré toutes ces différences, malgré toutes ces incompréhensions, souvent on pense comprendre les autres et ça arrive qu'on ne les comprenne pas. Mais elle m'a enseigné qu'il fallait juste être fidèle envers ce qu'on est, ce qu'on porte, nos convictions, pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir comprendre tous les langages et tous les êtres humains et même les animaux, les végétaux, la nature. D'un point de vue autochtone et d'un point de vue essénien, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que l'animisme? Well, we don't have that word animisme in our wording, in our culture, but I relate that to that every living thing being has energy of the Great Spirit and qualities too. The animals teach us many things. The plants, flowers, fruits, they all have something to teach us. And the animals to us are our brothers and sisters, and they're our family, and they all have a quality or a healing energy for us to learn from. We can call on them for help, for guidance too, for guidance. So nature and the animals, they know the truth. They know the truth of eternity, and it's natural to them. It's a natural law. It's a natural way that they live with life, and they develop a quality that our ancestors saw, and then our ancestors taught that to us. So they're very important in our culture, animals, nature, and we must treat them with respect, learn not to hurt them or abuse or take too much. It's a vast subject, you know? It's super vast. It's like you can go on and on and on with medicine wheels of the animals, medicine wheel of the minerals,
plants. But we have a lot of dances and rituals that come to us from the animals because of the animals' qualities and their healing properties. So it's pretty interesting because the word animism, it says that everything has a soul, I think, energy from the sacred world. It's everywhere. Pour nous, les Esséniens, l'animisme, c'est de considérer, de voir que toute chose qui existe a une âme. Il y a le grand esprit et il y a comme plein de petits esprits qui émanent tous du grand esprit. Et nous allons peut-être appeler tous ces esprits, cette étincelle qu'il y a dans chaque créature. C'est une sorte de mémoire, de souvenir, de lien avec justement le grand esprit. C'est ce qui fait naître les âmes. Donc, cette relation avec la nature, elle change. Forcément, elle change quand nous nous rendons compte que celui ou celle qui est en face de nous est une âme, que ce soit un minéral, une plante, un animal. Notre relation, forcément, elle est différente. On va faire plus attention, on va mieux écouter, on va mieux regarder, on va forcément être plus respectueux. C'est ce respect, cette relation qu'on peut avoir, qu'on pourrait appeler peut-être l'animisme pour nous les Esséniens. Lorsque nous ne vivons plus dans une tradition, les termes rituel et initiation peuvent parfois faire peur. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un rituel et en quoi cela est central dans une tradition? C'est un moment naturel qui doit être le plus naturel possible, mais qui va être appelé, qui va être créé. C'est un moment où le temps doit s'arrêter. Dans toutes les traditions, il y a toujours eu des rituels et des initiations. C'est primordial, je pense, pour pouvoir bien grandir, pour pouvoir apprendre à se connaître. Ce sont vraiment des moments où notre rythme, notre roue qui tourne inlassablement s'arrête pour que nous puissions nous regarder à l'intérieur sans qu'il y ait, on va dire, d'interférence. Juste nous. C'est pour cela que, pour nous les Esséniens, tous ces moments, on les passe le plus possible dans la nature. C'est un moment d'introspection, un moment où on va faire le bilan sur tout le chemin qu'on a parcouru. Et donc on va regarder un peu en arrière. Mais c'est aussi un moment où on va regarder devant soi et pour pouvoir tout mettre en place correctement, pour pouvoir continuer à grandir et vivre avec notre père et notre mère. Rituals and ceremony are, it's a sacred activity where we can recall our roots, our stories, a time of celebration too. Rituals are a time also of celebration, celebrating life, the cycles of life. Rituals are prayer to me. Rituals are also a way of honoring the elements and honoring our own spirit. And the spirit of everything. It's ritual can be
joyful as well as healing methods. So sometimes we might cry and be angry, but we're cleansing. You know, we're purifying. Rituals are our times of purification, transforming our hurts and wounds of yesteryear. So ritual can be transformative, also a time of celebration, used for seasons and birthdays and deaths. And so, and ritual too keeps us connected to the elements. They remind us of our duty, of a spiritual duty of right relationship with nature, the sky, other people. Pourriez-vous nous partager un moment précis d'une de vos initiations où vous avez senti qu'à cet instant, vous ne serez plus jamais la même personne? Une initiation, c'est un moment où on met la table. On met la table, donc il y a toute une préparation et on invite des amis. Morningstar l'a très bien dit, elle a parlé des éléments, elle a parlé de la nature et ce sont des moments où on les invite. On invite de véritables amis parce que ils sont honnêtes. Un élément ne peut pas tricher. La nature ne triche jamais. Et quand on est tout seul avec la nature, les éléments et les esprits, on peut essayer de se cacher un peu, tu vois. On peut commencer à mettre des masques. On peut être dans une apparence. Mais la nature, la maman, nous rappelle très vite à l'ordre. Et elle nous dit justement, non, ça ne sert à rien. Aie confiance. Aie confiance. Je me souviens d'un moment où c'était lors des initiations que nous, les Esséniens, on appelle l'initiation des quatre corps. Parce que pour nous, l'être humain est constitué de quatre corps, mais même les animaux, les plantes, les minéraux, il y a un corps de terre, un corps d'eau, un corps d'air et un corps de feu. Et après ces quatre corps, on reçoit le nom de la mère. C'est comme la mission de notre âme pour cette existence, pour cette vie. On est tous venus sur la terre pour faire quelque chose de particulier, pour changer le monde, pour le transformer aussi, et pour offrir quelque chose en héritage. Je me souviens de deux moments, ça sera assez bref, mais je me souviens d'un moment, c'était pendant la formation de mon corps d'eau. Et j'étais comme dans le doute et dans une idée de contrôle. Je ne voulais pas contrôler pour contrôler, enfermer. Je voulais me contrôler moi-même. Je voulais être dans une maîtrise de moi-même. J'ai toujours cette idée de vouloir donner toujours le meilleur de moi. Mais des fois, c'était trop. Et il s'est mis à pleuvoir. Et naturellement, qu'est-ce que font les humains quand il commence à pleuvoir? À pleuvoir beaucoup, beaucoup, ils cherchent à s'abriter. Et il y a eu comme une petite voix à l'intérieur qui m'a dit non, non, reste sous la pluie. Mais vraiment, il pleuvait beaucoup, beaucoup. Et j'ai prié, j'ai pleuré. Mais en fait, la pluie recouvrait mes larmes. Et là, j'ai eu l'impression, j'ai senti que j'étais un avec la nature. Et peut-être pour la première fois, je me suis oublié. Moi qui ai toujours envie de
tout contrôlé à l'intérieur de moi. Je me suis complètement oublié, je me suis abandonné à la terre sous cette pluie. C'était un moment très fort. Et puis il y a ce moment où j'ai reçu le nom de la mer. Là, j'étais comme un enfant. C'est ce qui m'a le plus marqué. Cet état d'esprit, cet état d'âme où tu n'attends rien de particulier. Je ne me faisais aucune idée. Je n'essayais pas de chercher. Juste, c'est comme si à l'intérieur de moi, je disais, Maman, donne-moi mon nom. Et une fois que je l'ai reçu, je l'ai répété, répété à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que les mots que je prononce n'aient plus aucun sens. Et c'est ça qui est fort, c'est que encore aujourd'hui, je découvre le nom de la mer après toutes ces années. C'est un lien avec la nature. So, Oui. a long time ago, when I came back to my culture and I was listening to the elders' teachings around the fire and at the peace village, the gathering, after that weekend, the elders gave me instructions to go up on the mountain all by myself. Just with a flint, lighter, and a small plastic and jaunted tarp. And I had to live in the forest 4 days and 4 nights, no food and water, le jeûne. And they call that a vision quest. And I had to keep a fire lit morning, noon, and night. Keep it. To not go out the fire. Then I had to drum around the fire. I had to dance the dance of the four directions 3, 4 times a day. And it was quite the initiation. It was quite the initiation. And I didn't understand why exactly I had to do that until the second day. The fire started to take my thirst away and my hunger, but it was starting to make rise my blesser and my sadness and lostness. And when I started to feel the burning, the medicine coming up, I also cried. I cried and I cried and I cried. And then I laugh. I was happy. And then I cried. I cried some more, you know? And then the fire, Madani, gave me such love for my people. I was like, oh, see, what is that? And that's when I saw what the fire did to me, I realized. Okay, I can go forward now and help my people and help other people. I feel something has replaced all that past trauma and what else happened. So, oh yeah, and then also I felt that the fire was putting me in a trance. I was in a trance because I would see the trees as like clear. Like they were see-through clear and bright everywhere. And sometime I would fall asleep 20 minutes in the night. And there were lights in the forest. I wasn't alone. I would see things. So all that showed me that there is a truth to the teachings of Nozeni Pi Grampi. I said it's true how nature is so. There's something in life. There's really Creator and Mother Earth and spirit, sacredness,
Also, the fire took out la peur, took out fear of me. The fear was gone and shyness. And I said, yes, that all that changed me, like, and I've never looked back. I never have been discouraged. No matter how life is hard, I still pick myself up. Even when people are jealous and try to stop me, or I remember the words of the old people and the ceremony like that. They give you something in return. They give you medicine, good medicine. The old people said, you have to go to the fire because the fire is the masculine principle to us, whereas water is feminine. So the fire was to burn away all the psychic toxins and thinking, and to know the nature of my mind. So I don't know how you say that in French. To know the nature of your mind. And that's it. Pourriez-vous nous partager, dans une vision essénienne et dans une vision autochtone, ce qu'est le père? C'est comme la semence. C'est comme quelque chose de très petit, mais qui contient tout. Je dirais que ce n'est pas la graine, c'est ce qu'il y a dans la graine. Et la mère, c'est justement ce qui va envelopper cette graine et qui va faire germer, qui va faire sortir le père. La maman, c'est vraiment celle qui forme le corps. Mais le papa, lui, c'est celui qui va comme donner l'essence, la semence, cet esprit qui se retrouve dans toutes les créatures, qui sont les enfants du papa et de la maman. C'est comme si toutes les âmes était né de cette union entre le père et la mère, et qu'on est avant tout des âmes, que le corps physique c'est juste une enveloppe, elle est belle, elle est utile, mais ça ne fait pas la totalité de l'âme. L'âme c'est plus que cela, et c'est pas le corps qui naît ou qui meurt, c'est l'âme qui naît. Et s'il y a quelque chose qui meurt, ce n'est pas l'âme, c'est juste la mémoire. C'est pour ça que je fais souvent donc le lien entre la graine qui est porteuse de mémoire et le père, et la terre qui va faire révéler cette mémoire. La terre, la mère. The Great Spirit is our Papa, and sometimes we call it Source, the Great Source, Creator, the Great Spirit. And Great Spirit birthed us into the universe as a big éclat, like he burst forth. Whole bunch of little lights, and these are our souls. So Father, the Great Spirit, lives in each one of us as a little soul, as a light. So Father, and the Great Spirit, he has no form. He's formless, but at the same time, he has form, because he's everywhere. You know, people think that Father Creator, or if they call it, say, God or Allah, it has a shape of a man with a white beard sitting on a cloud.
you know? But Father, Creator, the Great Spirit, to me is a great energy source out there. And he burst forth his love and created souls. And those souls are everywhere. And he put his energy in everything as a soul or spirit, his essence. We have a grand ancestor named Black Elk of the Lakota. He says that at the center of the universe lives the Great Spirit. And that center is everywhere. And it's also in here in all of us. The Father too, we carry him always with us everywhere. We talk to him. We don't need a priest or a guru or a dogma or beliefs between here and Father Creator. We just go to him because he's already here, you know. You know, it's really important to understand that. So peace and harmony come between all races. No more racism when you know who your celestial parents are and that we're all brothers and sisters. No more room for 1 second for racism. We know brotherhood. And for me, the Great Spirit taught us that teaching. Quelle vision avez-vous pour l'avenir de la jeunesse essénienne et l'avenir de la jeunesse autochtone? I think for our native youth, we need to keep joy and understanding in our hearts and be the example of that to give them hope and inspiration and to keep our rituals and ceremonies alive. They need more of that, the youth. And in our communities, we don't necessarily practice everything. Some do and some don't. So the youth are going back and forth, you know. So we need them, give them stability and a lot of love. They need also teachings on the natural law of life and nature. And we need to teach them who they are and where they come from. When I see them picking up the drum and singing, you know, us older people were very, very, very happy because we put a lot of effort into carrying the drums and keeping the teachings. And we see a lot of youth coming back to tradition and culture. We see them coming back and they're doing a lot of dancing and sitting with fire. And at the same time, there's a lot of them in education, going to university. They're in the arts and singing. So until us older people around the adults around them, that we role model to them a disciplined life, you know, show them moderation and how they eat and live and not to abuse alcohol and drugs. Learn to have moderation and discipline. They can find their way in life. But we really have to take care of them with a lot of love from our teachings and from from our example. So that's a lot of responsibility. La tradition essénienne, elle est très ancienne, mais elle a porté différents noms. Et selon les cultures,
elle s'est beaucoup, beaucoup adaptée à l'époque aussi. On pourrait dire que cette tradition essénienne, aujourd'hui, à cette époque, dans ce monde moderne, elle est comme naissante. C'est à l'image d'un printemps et d'un bourgeon qui apparaît sur une branche d'un arbre. Alors, il est difficile quand même d'avoir un message pour les jeunes Esséniens. Parce que, on va dire que même nos aînés, finalement, ils sont dans ce bourgeon, dans cette jeunesse. Si j'ai un message pour les générations futures, ça ne sera pas forcément un message pour les jeunes Esséniens. Ce message est le suivant. N'abdiquez pas votre âme. Ne vous dites pas que ce que vous voyez, c'est juste ça la réalité. Que la réalité est beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle qu'on l'imagine. Et que il faut prendre en compte le monde dans lequel nous vivons, et il n'est absolument pas à rejeter. Mais il y a des pièges. Et ces pièges, ils vont t'amener à étouffer ton âme, ton cœur. Ils vont te pousser à fermer les portes à l'esprit. Et pour rejoindre Morning Star, je dirais, ouais, juste cela. Laisse-toi toujours du temps. Prends-toi toujours un moment pour t'ouvrir à un inconnu, au grand esprit. Il faut toujours qu'il y ait un lien, même s'il est tout petit. Il faut toujours qu'il y ait un lien, et ce lien, il faut le cultiver, il faut l'entretenir comme un feu. Comme un feu au sommet d'une montagne. Ça se cultive. Alors, ça serait le message, ouais, que je donnerais aux générations et aux jeunes d'aujourd'hui. Pour finir, Morning Star, peux-tu nous parler de l'histoire et de la symbolique des objets que tu as apportés avec toi? Yes, I would like to speak about the medicine wheel of the four colors of the human race. On this wheel. So grandfather spoke to me and the elders about these four colors. So we have, and in the basket of life, we have the four colors of the human race. We have the black culture, the red people, the yellow race, Orientals, and then the white race. And each color has a great importance in the basket of life. They all bring something to the wheel, the medicine wheel. See, the black culture brings us rhythm and music, and we all love music and dance. So they remind us of that, to keep that alive. And then we have the red races, the indigenous of the world, to remind us of to caretake the planet and the spiritual sense to everything, nature. And then the yellow race here, they bring us industry, items that we need to live with, machines, cars, technology,
All is important. Then you have the white race. They bring us education, books, movies, libraries, everything to do with intellectual writings. And so that was a really good teaching to me, to see how everybody is really important. Each, and in between the different colors, sometimes you can have red people of the Tibetan indigenous or the Shintoism people. They're still a red race, you know. And Orientals too, there's different types of Orientals and white, Scandinavian, American, or, you know. And the black people too, there's different types of black. So we all are precious in life. We all bring something into the great basket. No one is, and in this wheel, like the drum too, it's a wheel. So everybody sits somewhere in the wheel equally. No one's higher or lower, you know? So really good, beautiful teachings. No separation, no competing, no, because we all are precious in the sight of the father and the mother. Chaque peuple mm-hmm. a apporté mm-hmm. un savoir-faire mm-hmm. pour le bien de toute l'humanité. Et on a aussi cette vision. Okay. Effectivement, le peuple rouge, qui est le peuple des origines. Et on a vraiment cette histoire, nous aussi, cette histoire de l'humanité. Après, comme dans tout dans la nature, il y a une naissance, une apogée et en quelque sorte une mort, un retour à l'origine. Et dans la tradition essénienne, nous disons justement que après le peuple rouge est apparu le peuple noir et a apporté une nouvelle couleur à l'histoire de toute l'humanité. Après le peuple noir, il y a eu le peuple blanc qui a lui aussi donc apporté tout ce qui est l'intellectualisation, la culture, de la pensée. Et dans le futur, il y aura de nouveau ce peuple jaune qui va apporter autre chose. Et la roue va continuer à tourner. Après le peuple jaune, de nouveau, le peuple rouge va comme ressusciter et va continuer à apporter des forces et un savoir, une sagesse à toute l'humanité. On parlait des ancêtres et c'est ça qui est beau, c'est que justement, ouais, il n'y a plus de racisme. Parce que même si on est blanc, on est jaune, on est noir, on est rouge, en fait, on a vraiment tous des ancêtres communs, tous. You know, we all have the same color inside, you know, mm-hmm. the color of light, mm-hmm. you know. So, yeah, it's to come back to the old teachings, you know, simplicity. Yeah, it's the highest spirituality, you know. It's amazing. And in our culture too, we sing with the drum because it's an instrument of resonance. You know, as you drum and you think, that resonance goes out. What you feel, it goes out and it comes back. And the rattle too, the les hochets for singing. These are, yeah, for resonating the songs, the prayers. So. And so we have the elements too. Like I didn't bring all my things, but because we have the earth, air, fire, and water here. Mm-hmm. So we have air with the feather, the birds that fly in the air. And we have the water element with the shell. Mm-hmm. Usually you have a bowl of water too, and some tobacco and the mayas. And you have the fire spirit. And the earth spirit is with the sage.
So we have the earth, air, fire, and water with us. So it's. And we have the peau, the skin of the rabbit represents la douceur, la gentillesse, you know? So. Nous avons aussi la plume. La plume, l'encens, évidemment le feu, les quatre éléments. D'ailleurs aussi cette roue médecine symbolise les quatre éléments pour nous, les quatre saisons. Nous, l'encens que nous utilisons beaucoup, c'est l'encens d'Oliban, cette résine c'est le cèdre, un cèdre. Et donc on utilise beaucoup cette résine et elle symbolise, elle est en lien avec le charbon. Nous faisons brûler cette résine sur un charbon et donc le charbon il symbolise justement ce corps physique qui doit être incandescent. On brûle à l'intérieur de nous, il y a un feu à l'intérieur de nous et ce charbon, une fois qu'il est consumé, il se transforme en poussière. Et il symbolise vraiment le corps physique de l'être humain, mais même de l'animal, de la plante et de la pierre. Mais on peut déposer sur ce charbon un encens. Et c'est comme un autre corps. Et c'est la fumée et le parfum de ce qu'il y a de plus vertueux à l'intérieur de nous. Soit on est un charbon qui brûle et qui ne dégage aucun parfum, soit au contraire on peut déposer un encens sur ce charbon et donc un parfum, une vertu sur ce corps physique qui est incandescent et du coup ce corps physique peut permettre à ce parfum d'emplir l'atmosphère et l'air. Donc on a ça. That the drum, when we play the drum, there's another thinking that we must have in our heart when we're holding the drum, is that our heart and the heartbeat of the earth beat as one. Est-ce qu'aujourd'hui justement on a de plus en plus de mal en fait à vivre au rythme des battements du cœur de la mère? Alors est-ce que pour vous le tambour il vous permet justement de nouveau être au même diapason, au même rythme que la mère? When I think of Mother Earth's heartbeat and humanity, we need healing, you know, in this fast world, you know, this industrial complex world, you know. So when you pick up the drum, you can send healing to the earth. You can soothe Mother Earth. Just holding and thinking like that, and it helps you too. Picking up the drum is a gesture of healing, of recognizing Mother Earth's nurturing body and how we are family and we come together as one. Because her heart beats at the same time as ours. So, it's what's in our thinking as we're holding the drum, what we're sending out. And you can heal somebody from distance by thinking of them and then drumming and praying. That it vibrates, it resonates. So, to do a work, a spiritual work with the drum, it demands a lot of love and a lot of understanding for humanity's suffering and trials and errors. You know, it's wonderful, isn't it? Simple and just so beautiful. Les hommes sont capables de faire des choses terribles comme des choses merveilleuses. Ouais.
to let love and pardon possess you, you can get over anything. You know, you can heal and, you know, go ahead and be a warrior of light and a warrior of the culture, you know. See, and to do it joyfully. Vous avez beaucoup à nous apprendre. Thank you, merci. Thanks, yes. Merci. I don't know what to say in conclusion, except maybe the world is made in a sense with lots of programs, mind programming. So religion, beliefs, dogma, lies, myths, has taken people way, 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 way far away from their center, you know? So I think people need to be reminded of who they really are in the core of their being, which is a light, a soul with the essence of creator in there. That's who we are first, before our culture, our beliefs, our religions, our diplomas. So to bring humans back to see that great light inside of sacredness and the beauty of having a soul that is full of creator. And that creator, le grand esprit, a placé tout, everything that we need is installed in the soul. Courage, beauty, love, kindness. Everything is there. It's been here for millions of years. But the world brings us far away from that center. They want to distract us from our real power. So reminding another human who they truly are spiritually first, and remind them of their power and their beauty and their soul. And you can't put that light out. It can be covered, yes, with hurts and wounds and abuse and whatever, but it's our duty to heal ourselves and just flourish, just bloom, and everything is written by the invisible world on our soul. Everything we need is within. And through ceremony and going to nature, you can recall old memories. Je dirais que tout est tradition. Même la technologie, c'est une tradition. Parce que il y a des précurseurs et il y aura forcément une transmission et il y aura des générations futures qui vont vouloir vivre dans cette tradition, dans cette vision du monde. Peu importe ta tradition, choisis la tradition qui te rend meilleur, qui te rend vertueux. Et je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise tradition. Il n'y a pas foncièrement une tradition qui rend les gens mauvais. Il y a du bon et du mauvais en tout. Je pense qu'il est important aujourd'hui pour les humains qu'ils puissent choisir leur tradition et qu'ils puissent s'y engager jusqu'à devenir, comme Morningstar, des porte-paroles, qu'ils puissent incarner leur tradition et qu'ils puissent être justement comme la mémoire des ancêtres qui ne sont plus. Mais choisis ta tradition et choisis-la bien. C'est-à-dire choisis une tradition qui va te rendre meilleur, qui va te rendre vertueux. Ouais. Bien, sur ce, merci à tous les deux d'avoir passé un grand moment. C'était très riche et je vous souhaite tout le meilleur dans votre tradition. Aho. Merci. Merci du fond du cœur. Merci. Thank you. Bon moment. Oui. Oui.